Bonne émission. Hey! Bonsoir tout le monde. Bonsoir à la maison. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Oui, 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 oui. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Le studio rempli à craquer à la maison. Bonsoir et bienvenue à cette dernière émission de Merci Bonsoir qui sera spéciale. Parce que les dernières, normalement, c'est un enchaînement de vidéoclips de meilleurs moments, mais ça, il va l'avoir pendant 3 semaines, dès la semaine prochaine, pour les nostalgiques en vous. Ce soir, le thème, c'est « Je me fais plaisir ». C'est juste ça qui va arriver ce soir. Premièrement, je voulais mon chanteur préféré, Claude Dubois. Claude Dubois est là. Bon! Je voulais aussi au moins une vingtaine d'invités spéciaux, certains qui reviennent une deuxième fois, certains pour une première fois, dans le cadre d'un méga speed interviewing! Et en ouverture, j'aimerais réaliser 2 souhaits. Le premier a rapport au décor de Merci Bonsoir, qui est vraiment un décor superbe. Les gens aiment ça, les artistes aiment ça, c'est chaleureux, le public y prenne nous. Et on a entre autres un bel escalier que voici qui est très, très long. On l'a utilisé régulièrement pour des invités que je présentais en haut, puis ils descendaient les marches, et ça se passait bien. Sauf qu'on a toujours eu un stress énorme qu'un des invités, oui, déboule les marches. C'est pas arrivé, Dieu merci, mais j'avoue que j'aimerais ça savoir de quoi ça aurait l'air. Un invité qui déboule. Alors, j'ai invité un cascadeur qui s'appelle Stéphane Lefebvre. Stéphane, bonsoir, comment vas-tu, mon ami? Bonsoir, tout le monde. Oui, Stéphane, et oui. Stéphane est cascadeur professionnel, du moins, j'espère, hein? Oui, oui, ça fait quand même 20 ans, là. Fait et que... c'est quoi les risques majeurs pour toi, là? On parle d'une cascade difficile, moyenne, ordinaire, on parle de... Une cascade, c'est toujours difficile, puis là, les risques, c'est de se prendre la tête en chaque barreau, puis oui, de se casser le cou. Ah, ben, rien de majeur? Non, non, c'est... OK. Alors, Stéphane, tu vas débouler pour nous, mais en incarnant un des invités de la saison. Amène-moi le baril, s'il te plaît. J'ai ici le nom des 350 invités qui sont passés à l'émission Merci, bonsoir. Je vais piger un nom au hasard et Stéphane va incarner cette personne-là et puis je vais le présenter officiellement comme si c'était une vraie entrevue, OK? Alors, je vais piger un nom au hasard. Julie Snyder. Pas sûr si je peux, parce que si je dis si je fais Julie, ça va avoir, tu sais, il y a déjà trop de troubles ici, on va prendre un objet encore, parce que ça va faire trop de chiard. Si, ah ben, c'est encore Julie Snyder! Ah! Bon! Faut dire qu'elle est venue 2 fois! Alors, Patrick, peux-tu... Stéphane, pardon, peux-tu te déguiser, Patrick? Je suis mêlé, ben raide. Déguise-toi donc en Julie Snyder, mets-toi un élément de costume quelconque, prends-en un des nombreux qui sont à côté de toi présentement. On a mis au hasard une perruque, là. Alors, tu veux Julie Snyder? Avantage majeur, parce que si tu te fais mal, l'ambulance est là, c'est sûr. Donc, mon cher Stéphane, je vais dire, on va enlever ça. Premièrement, on n'a plus besoin de ça. Voilà. Je veux dire, je te présente officiellement avec... les musiciens font un petit walk-in ou un déboule-in. Et bonne chance, Stéphane. T'es prêt? Oui, c'est bon. OK, alors. Mesdames, messieurs, ce soir à Merci Bonsoir, une animatrice, productrice que tout le monde connaît. Voici Madame Julie Snyder. Hey! Es-tu correct? T'es correct? Oui. Stéphane Lefebvre, mesdames, messieurs! Stéphane Lefebvre! Je répète le thème, je me fais plaisir. Et nous, on s'en va asseoir, hein?
Donc, deuxième truc, ça a rapport à mon annonceur maison et ami Éric Nolin. Éric est mon ami depuis 15 ans. Il est annonceur maison ici et j'avoue qu'Éric a souvent été le dindon de la farce de Merci Bonsoir. Ouais. Des jokes de gros, des jokes de Kit Kat, de chocolat beurré d'en face. On t'a déguisé en cheerleader, on t'a déguisé en Teletubbies, en bergère. Et je sais que t'aimerais être, et Éric n'est pas au courant de ce qu'on va faire du tout, je me sais que t'aimerais être interviewé officiellement à Merci Bonsoir. Tu m'as déjà dit ça, j'aimerais être interviewé parce que les gens te connaissent pas. Ils connaissent ton côté bouffon. Mais ils connaissent pas l'autre côté, qui est plus bouffon. Alors, Éric, viens me rejoindre, s'il te plaît, sur le plateau. On applaudit Éric Tonnet, mesdames, messieurs, Éric. Même beaucoup de monde ce soir. C'est bon, merci. Ouais. Alors, Éric... t'es juste un peu surpris, il n'y a pas de joke de Kit Kat ce soir. Non, c'est ça, on va avoir une discussion normale, parce que je pense que c'est important que les gens connaissent qui tu es. Moi, je te connais depuis longtemps. Ouais. Les gens ne te connaissent pas, on va faire une entrevue, comme si tu étais un invité normal. OK? Alors, on va y aller. Ben, Éric, tabarouette, parle-moi de toi. Là. Qu'est-ce que d'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais de bon, la patente? Ben, je viens de... Quoi? Cantange? Quoi? Des rythmes latins? Des danseuses brésiliennes en coulisses qui veulent danser maintenant ou jamais. Oui, mais... Éric, mais... tiens, une Kit Kat. Ah. Allez, dansons! Hey! Ce soir, plein de surprises, je vous jure. Donnez-moi juste un petit deux minutes avec ces dames-là et je vous reviens. À tantôt! Ah, mais là. Hey! De retour! Mon Dieu, je me vois... Je suis plein de brillants, ça n'a pas de bon sens. Je suis plein de pellicules brésiliennes. Qui peut avoir une vingtaine d'invités en une heure? Qui? Personne, sauf Merci Bonsoir, grâce au segment dont je suis le plus fier, le Speed Interviewing! Mais pour une vingtaine d'invités, ce sera le méga Speed Interviewing! On débute avec le roi du Speed, M. Tigui Aymon. François, j'ai été le dernier tout l'hiver, puis ce soir, pour le photo finish, je suis le premier. Ben oui. Ça me fait de la peine. Ah. Ça me fait de la peine. Ben, join the club. On va continuer à travailler tout l'été, moi, avec Joey, on va prendre un chambre, puis de l'autre. On va continuer à écrire des pas encore ta revue, allô? Ben oui, allô, oui. Ben t'es oui. Venu ici 30 fois, tu me parles de Allô les 30 fois. Ben, je les aime, mes deux pages. Je ne veux plus m'entendre parler de Allô. Je suis allé. Mais non, mais chante une toune, fais quelque chose. Ça pas de me parler de Allô. Allô, Marie-Lou. Fait que tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans Allô cette semaine? Allô, cette semaine, je parle de tout. C'est pas Burns. C'est Tigui Aymon! Voici un acteur fétiche pour tous les Québécois, M. Pierre Lebeau. Comment vas-tu, mon Pierre? Excellemment. Comment va ta santé? Mais très, très bien. J'ai jamais été malade. J'étais très fatigué, en fait. Mais t'as pris un break. Oui, mais écoute, j'ai tourné trois films en même temps. Je jouais au théâtre. Ouais. Je dormais dans les sièges arrière de minibus. C'était pas très recommandé comme régime de vie. Est-ce que tu dors mieux? Oui, je dors très bien. Je vais très, très bien. Est-ce que tu fais des nuits complètes? Parce qu'on disait 3-4 heures. Non, mais je dors très bien. Là. Je dors comme avant. 3 heures, 4 heures. C'est ça. Oui, oui. C'est très bien, ça. Et tu vois, c'est en masse pour tout le monde. Hein? Oui. Hey, d'ailleurs, écoute, c'est ta dernière émission. Je veux te féliciter pour toute ton année. Ben, t'es bien fin. T'as été formidable. Hein, c'est vrai que t'es formidable. Et puis, c'est pas comme ça. J'ai 2 minutes, je suis posé parler vite, moi, là, pour dire plein de trucs. Oui, 23 secondes. Oui, 23 secondes. OK. Mademoiselle C. Oui, le film avec Chantal Perron. Oui, avec la formidable Marie-Chantal Perron. Elle est un rayon de soleil. Oui, un rayon. Le procès de Kafka au TNM à l'automne. À l'automne. Oui. À part de ça, la comédie, tu peux t'en faire. Nouvelle-France. Oui, avec Gérard Depardieu. Oui, exactement. Et puis, une série dans une station dont je ne peux nommer le nom. Alors. C'était Pierre Lebeau! On m'informe, une nouvelle invitée qui n'était pas prévue, Madame Guylaine Aymon. Ah oui, c'est ça. Je parlais de Vincent le Cavalier, Yvon Lambert, André Desmontigny, Michel Stax.
Ça a l'air qu'ils m'ont bien arrangé, hein? Ouais, regarde là, là, regarde. Ça a l'air qu'ils m'ont bien arrangé. C'est... Je trouve que je ressemble à Charlebois, c'est ça. Je ressemble pas à Robert Charlebois. Ils disent, c'est Gilles Girard. Là, c'est Robert Charlebois. Oui. Hein, pas mal, hein? Ben oui. Mais je vends pas de bière. T'es dans le bon quartier, moi, dire. Ouais. Ouais. Si est mort, Guylaine est mort. Là. Et voici Mme Louise José Mondou. Allô! Bonsoir, moi, je suis contente de venir te saluer. Mais je me suis dit, avec tout le monde qui regarde ce soir, c'est le moment idéal de lancer un produit du tonnerre à la boutique en vente dès ce soir. D'ailleurs, j'ai une présentation pour toi. J'aimerais vidéo? Te... Oui! On regarde les images. Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à la boutique. Aujourd'hui, nous avons pour vous une exclusivité disponible dès ce soir, le merveilleux François Morency. Regardez comme il est gentil et propre. Le François Morency est disponible en tenue de soirée pour vous plaire, mesdames. En tenue sport pour les soirées entre hommes. Le François Morency est offert avec tous les accessoires nécessaires pour les tâches ménagères. Vous savez, avant de vous présenter un nouvel article à la boutique, on veut toujours savoir si vous y êtes intéressé. Alors, on a interrogé plusieurs personnes pour savoir ce qu'ils feraient d'un François Morency. Alors, comme je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de cuisiner. Alors, je demanderai à un de mes tweets préférés, François Morency, il va avoir du temps, là, de me préparer une quantité considérable de batch de sauce de spaghetti. Bien, moi, je l'achèterai, puis je le ferai danser sur un tabouret pendant des heures de temps. Elle parlait d'un paquet d'affaires complètement inintéressante. Comme ça, il verrait c'est quoi. Ah, moi, c'est sûr, j'en prendrais un tout de suite. Puis je le mènerais vraiment partout. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un me demanderait la question, « Hey, c'est toi, Morency? » Je dirais non, moi, c'est Mascotte. Lui, c'est Morency. Regarde, moi, je peux avoir qui je veux, là. Qu'est-ce que tu veux bien que je fasse avec ça, un François Morency, hein? Pratique, amusant et économique, le François Morency est disponible dès ce soir. Mais faites vite, les quantités sont limitées. Wow! C'est extraordinaire, les José. C'est très gentil. Merci de ta participation. C'est très gentil. Bye-bye. Bye, bonne soirée. Hey! Oh. On enchaîne avec... Ben, parlons un peu de sport pour les boys. Monsieur Roger Brulotte. Hey! Salut, mon ami! Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, toi? Yes! Ah, tu te souviens que les expos, vous êtes tous les deux finis? C'est bon! Pour finir? Tu commences avec un killer des chiclets? Ah, je ne comprends pas, mais attends la fin, tu n'as pas entendu la fin. Oh, ouais, ben, il te reste 44 secondes. Vas-y, mon Roger. Ben, je pense que je suis très heureux d'être ici avec toi, d'être invité, parce que j'ai été le 100e invité. Les autres ont tout refusé. Oui. Je te remercie beaucoup. Mais j'aimerais ça finir. Voulez-vous m'aider, s'il vous plaît, ensemble? Morency! 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 Bonsoir! Il est parti! Ah, Roger! Ah, il nous reste 18 secondes. Parle-moi du nouveau gazon au stade. Ah, il pousse pas partout. Il est comme moi, il a arrêté de pousser bien jeune, mais... Mais je m'amuse à Journal de Montréal pour parler de toi dans ma chronique. Tu vas me dire ce que tu fais. Ben oui, les deux pages dans le journal. Le baseball aussi que je vais faire avec des expos. Bon. Ça fait une belle été. Amuse-toi, joue au golf avec Michel Bergeron. Ben Bergeron, oui. René Angélil, oui, tu fun. On est tout fun. C'est Brulotte! Du sport à la cuisine, M. Daniel Pinard. Ouais. Daniel, bonsoir. Salut. Comment vas-tu, Daniel? Ben, je suis un peu triste de ton départ. Bon, tu vas survivre. Ben, toi aussi. Oui. Daniel, t'es venu ici à l'émission une fois, moulin à parole que tu es, invité de rêve extraordinaire. Une question, j'avais un item de dit et t'as flyé pendant 8 minutes. J'ai un paquet d'affaires dont t'as pas parlé. Est-ce que tu veux en parler ou c'est un message pour le peuple québécois? Comme tu veux. Parlons-en donc. Ben, parlons-en. Le message serait trop long. Oui, tu as des DVD de recettes qui sortent bientôt. Ou qui sont sortis. Qui sont déjà sortis, qu'on trouve partout dans les chaînes Provigo Machin. Tu sais que moi, j'ai une recette de thon. Tout le monde rit de moi avec mon thon. Hein. Moi, je mets du thon, tu vois ce que t'en penses. Tu recommences pas. Non, attends, une canne de thon succulente, OK, clover leaf. Et puis là, tu le sac dans le plat. C'est pas vrai, il m'a déjà fait ça la dernière fois. Non, c'est pas la même, c'est une autre. C'est pire. Il n'y a pas d'épinards et de compote de pommes. C'est du thon avec des bouts de céleri. Puis je mets du beurre d'amande. Et alors? Ben je le mange. Est-ce que c'est une recette de TVA? Est-ce que
c'est PKP qui t'a montré ça? On fait pas de blague là-dessus, lui, quand même. Mais non, non, c'est très bon, ça sent très bon, puis tout le monde rit de moi avec le thon. Dis aux gens que, de mon équipe que le thon est excellent pour la santé, source de protéines maigres. Mais le thon, c'est bon, à condition qu'on ait le bon thon. Oh, ben, le bâtier Raymond DeVos. As-tu une recette de thon pour moi qui serait appréciée? Quelque chose qui serait sympa? Ben, le plus difficile, c'est toujours de l'attraper. Oui. Mais c'est les thons à queue jaune qui sont les meilleurs. À queue jaune? Mm-hmm. Ben là, ça s'appelle les yellowtail dans n'importe quelle japonaiserie. Et puis là, qu'est-ce que tu fais cet été? Tu fais de la radio, je pense. Là, je remplace le Bigot, l'irremplaçable grand timonier, alors pendant l'été. Oui. Alors, je voudrais bien t'inviter, d'ailleurs, le matin, le samedi, le dimanche, à Radio-Canada. À quelle heure? C'est de 7h à 11, le samedi, de 7 à 10, le dimanche. Ben, j'espère que tu te lèves. Tu vas falloir que tu trouves une job. Ben, lève-toi. Ben oui, mais là, je vais me faire cuire du thon. C'était Daniel Pinard! Et voici maintenant, pour votre divertissement, un ours qui jongle! Approche-toi, alors. C'était l'ours qui jongle! Et dans un tout autre ordre d'idées, voici Sheila Copps! Comment allez-vous, Sheila? Hey, bonsoir, bonsoir, comment Merci ça va? Merci d'être là. Comment allez-vous, ma belle Sheila Copps? Ça va très bien. J'aurais pu venir avec deux petits drapeaux du Canada, mais je me suis fait voler par un commanditaire. Oh! Très fort! Avez-vous un commentaire là-dessus? Parlez-moi de Paul Martin. Ah, oh, ben, Paul Martin, c'est un gars de, du Parti libéral. Pareil. Un peu, oui. Ici et par là. Ça va-tu bien pour lui, vous pensez? Pensez-vous que les élections vont être le 28 juin, tel que prévu? Ben, je pense que les élections vont probablement avoir lieu au printemps, mais ce serait peut-être mieux qu'ils attendent pour gouverner un petit peu, suivre le conseil de M. Lapierre. La rumeur veut que vous allez sortir un livre bientôt dans lequel vous allez révéler tous les dessous de votre histoire qui s'est passée récemment pour les élections, là, puis l'espèce de... C'est un livre de Boréal qui sort avec un panoplie de choses. C'est pas seulement les derniers mois, mais il va y avoir une partie sur la période de cette année. Et comme détail croustillant là, pour aguicher le lecteur potentiel? Détail croustillant... si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé aux alentours de... L'histoire des drapeaux. Oui. Achetez le livre. OK. Y a-t-il un drapeau qui vient avec? C'est bleu. Oh, un drapeau bleu? Oh, vous revirez de bord. Les deux. Paraît-il, vous avez fait de la moto. Faites-vous encore de la moto? On m'a dit que vous avez fait de la moto. Oh, ben j'ai fait un petit peu le moto, mais c'est plutôt moto. En anglais, on appelle ça motor mouth. C'est moto de bouche. La moto de bouche. De bouche. De bouche. Pas de bouche. Pas bouche, le malade mental. Bouche, la non, bouche. Non, non, bouche, bouche. Okay. Boucheron. De la moto de bouche. Okay. Oui, oui. Oh, mais vous faites de l'équitation, je pense. Ça, c'est vrai. Oui, oui, le horseback, oui, oui. Patente. Ça, c'est vrai. Vous c'est êtes vrai. Une cavalière, une amazone. L'amazone, Sheila Copps. Ça vous va très bien, je trouve. Oh, ben, ça peut être l'amazone ou peut-être la bagarreuse. La bagarreuse. Savez-vous que Paul Martin a trois Sheila qui l'entourent? Vous, Sheila Fraser, et sa femme s'appelle Sheila. Je sais, il est entouré. C'est le rêve, le cauchemar et l'idéal. Ah! Quelle belle fin de rêve! Madame Sheila Gott! J'ai chaud en baptême. Voici M. Ringo Rayfray. Oui, ça, bonjour. Bonjour. Mon cher François, l'heure n'est pas au grand discours, ni même aux palabres inutiles. Non, l'heure est à l'émotion. Musique, j'imagine. Musique, j'imagine. Allez. Le clown est triste. Merci. Le clown est triste. Tout seul en piste. Il est triste en cristal. Le clown est triste. Le clown est triste. On s'en va à la pause. Christ, au retour. Le speed, deuxième partie. Wow. Encore plus d'invités. Restez là. Rico! Oh,
De retour pour cette deuxième partie du Mega Speed Interviewing! Voici mon animatrice préférée, Mme Christiane Charrette. Oui! Comment vas-tu, ma belle Christiane? Ça va bien, merci François. Beaucoup d'être là. C'est super apprécié. C'est un grand plaisir. T'es en vacances, toi, là? Si on peut dire, oui. Oui? Oui, si on peut dire. C'est pas vraiment des vacances. Non, puis je négocie fort, l'autre bord. Non, c'est pas trop. Le Journal de Montréal. Oui, on n'a pas le choix de lire ces temps-ci, on va dire. Mais c'est vrai que je suis en train de discuter avec Radio-Canada. Ouais, ben, tu reviens, c'est sûr, à l'écran l'an prochain. Ben, j'espère. C'est ça. Oui, on sait juste pas quelle heure, quel format. Où, quand, comment, pourquoi. Auras-tu des vacances cet été, des vraies vacances? J'espère. J'aimerais ça, vraiment, là. J'aimerais ça. Mais c'est pas évident. Aussi que je la produis, l'émission, tu sais. Oui. Alors, quand l'animatrice est en vacances, bien, c'est la productrice qui travaille. Tu es ta propre patronne. Je suis ma propre patronne. Et c'est par choix. Mais il y a toujours des patrons. Même quand tu es ton propre patron, il y a toujours des patrons. Il y a toujours quelqu'un au-dessus qui peut t'annoncer quelque chose. Toujours. Toujours. Et que tu aimes te produire toi-même, t'aimes ça. Est-ce que tu produirais d'autres émissions dans lesquelles tu n'es pas? Je ne le sais pas. Pas là. Pas pendant que j'anime. Comme mettons un gars qui serait libre, là, qui dirait... Comme François Morancier. Oui, c'est ça. Mettons un nom au hasard. Mais oui, ça oui, peut juste être 50, mettons non. Lui. Il faudrait que j'arrête d'animer pour produire quelqu'un vraiment? D'autre. Oui. Pour te consacrer à ça. Mais ça, toi, là, t'es pas comme animateur, t'es pas stressé, t'as pas des états d'âme, t'as pas des angoisses d'animateur. Oui, mais il y a la cocaïne qui aide beaucoup, Christiane. Mais peut-être que je devrais faire ça m'aiderait peut-être beaucoup. Mais t'es angoissée plus comme productrice ou comme animatrice? Oh non, comme animatrice. Après toutes ces années, après l'expérience, après les trophées, les métros de stars, plus ça va piercer ou... Oui, ben oui, moi, je pense que plus ça va piercer... Yvon Deschamps disait ça aussi. Plus ça va, plus on a à perdre. Oui. Plus on est conscient. Quand on est jeune, on est plus inconscient aussi. Oui. Mais définitivement, comme animatrice, je suis bien plus stressée que comme productrice. Ben, parce que comme productrice, il y a toutes sortes de monde autour qui t'aide, tu sais. Et là, tu fais du tai chi, on m'apprend? Oui, j'essaye. Régulièrement? Bien, j'essaye. Écoute, des fois, j'annule mon cours. Quand j'ai pas le temps, j'annule mon cours alors que j'aimerais multiplier les cours. J'aimerais ça, là, je rêverais de savoir juste le premier mouvement jusqu'au bout. Mais depuis combien de temps t'en fais? Bien, depuis, disons, trois mois, j'ai à peu près trois mois. Ah, t'es une jeune débutante, t'es oui, ceinture blanche. Oui, je suis pas douée non plus, mais j'ai envie, j'aime ça. Je trouve ça beau, ça me tente. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? C'est très drôle à regarder. Je sais pas à faire, mais à regarder, on dirait du karaté pour le monde pas trop vite. Mais... Écoute, c'est la fluidité. Ce que j'aime là-dedans, c'est la fluidité du mouvement. Okay. C'est la métaphore. Tu sais, on dit pas dans le tai chi, lève ton bras, baisse ton bras, penche-toi. On dit, va chercher l'énergie. Tu sais, tout est métaphorique. Alors, tu penses pas à tes mouvements. Tu penses à, par exemple, ramasser de l'énergie, l'amener vers toi, la faire pénétrer à l'intérieur de toi-même, la faire descendre. C'est beau. Puis quand tu bouges, c'est vraiment beau. Tu sembles extrêmement zen. Non, je suis vraiment pas zen. Non, j'allais dire, tu sembles zen, mais tu n'es pas du tout non, zen. Moi, mon ambition, ça serait d'être cool, puis malheureusement, je ne suis pas cool. Là, quand est-ce qu'ils vont me tirer en dehors d'ici? Ben, là, il te reste encore 15 secondes 15 pour me secondes, dire quelque chose. Pour te dire, écoute, tu as fait une saison écœurante, tu as amené ici une énergie comme j'ai rarement vu, tu es le seul à interviewer les enfants comme ça, puis on va s'ennuyer de toi, puis ça me brise le cœur quand t'enlève ton chien. Merci, Christiane Charrette. Ça faites-moi pleurer dans le milieu du show, là. Voici maintenant une légende, un homme qui faisait pour nous un courrier du cœur, M. Jean-Paul Wallen. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, François. Comment allez-vous? Jean-Paul, ça va très bien. Jean-Paul a répondu à des courriels qu'on recevait de gens qui ont des problèmes amoureux. Et Jean-Paul, que j'allais rejoindre dans sa résidence, des résidences Mont-Carmel, donnait des réponses éclairées qu'on se rappelle, entre autres, du parfum Adzaro sur les Adzaro, bobettes. Adzaro, ça, oui, c'est le meilleur. Sur les bobettes. Ben, alors, oui. Oui. Alors, Jean-Paul, j'ai un autre courriel pour vous, une question, je vous la lis à l'instant. Cher Jean-Paul, cette dernière année, j'ai beaucoup travaillé. J'ai donc pas eu le temps de rencontrer une bonne fille gentille. Par contre, mon émission, je veux dire, mon travail se termine et j'aurai du temps à consacrer aux femmes. Le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas croisé que je ne sais plus par où commencer. Dites-moi où rencontrer des filles et quoi faire pour les impressionner. Écoute, François, premièrement, tu vas sur ordinateur puis tu chappes. Les chaps. Chaps, oui. OK, c'est pas chaps, c'est chaps. Si tu vois, tu frappes pas, tu te mets. Là, tu dis, je vais aller faire un tour dans un bar. Dans un bar? Tu mets un beau pantalon noir. Oui. Avec une belle chemise blanche. OK, oui. Puis là, aussitôt que tu as trouvé l'ambisseur, oui. Tu l'emmènes chez toi. OK. Toi, tu lui dis, attends-moi, tu t'en vas aux toilettes. OK. Puis là, tu prends du parfum à zéro, tu mets ça sur tes petites bobettes. Là, ça paraît bon. Là, ça sent mais bon. Mais c'est toujours sur les bobettes, non pas à l'intérieur. Non pas à l'intérieur, parce que ça chauffe.
Et puis, ensuite, une bonne suggestion, une bonne bouteille de vin. Oui. Le Bordeaux. OK. Ah, ça, ça réchauffe les sens. Les sens. Les sens, oui, les oui, sens. OK. ensuite de ça, ton ami. Oui. Et tu y mets un peu de crème. De 2 % du... Bon, ça dépend. De dégoût, la diète. Oui, il y a des goûts là-dedans. Oui. Après ça, tu mets du parfum à l'entour des bras. L'entour des bras, oui. Oui. Puis là, tu dis « Kaboul, la championne! » Kaboul. Kaboul, la championne. Pas Kaboul, Kaboul. On va à Kaboul, la championne. C'était Jean-Paul Wallon. Voici maintenant la succulente... Maï Paiement! On suit les musiciens! La pause hachiche! Bonsoir, ma succulente, comment vas-tu? Ça va bien, tu vas nous manquer, François. Bon, écoute... je vais me manquer. Mettons qu'un gars, là, te dit, « Hey, Maï, tabarouette de Colin, qu'est-ce que tu dirais que je vais mettre un pantalon noir, une chemise blanche? » j'ai de la crème, puis un peu de Adzaro sur les bobettes, puis Kaboul, la championne. Ben, écoute, tout ce que tu viens de me décrire, c'est super drôle, parce que c'est tout à fait mon genre, là, tu tombes vraiment dans mes cordes. Et Adzaro, c'est mon parfum pour homme préféré au monde. Donc, je peux t'inviter ce soir ou demain pour une date? Ben, je suis désolée, François, j'ai déjà une date avec M. Jean-Paul Wayland. Quoi? C'était Maï Paiement! Cette saleté de Jean-Paul! Et voici pour me guérir! Et voici le Doc Mayou! Comment allez-vous, Doc? Toujours aussi mal. Je pense que mon équipe vous a invité pour prévenir des troubles psychologiques que je pourrais avoir suite aux événements là, hein, qu'on connaît récents. Là. Qui sont? Bien, qui sont, écoutez, Doc, je ne peux pas vraiment élaborer, mais j'aimerais avoir des conseils. Je sens beaucoup de frustration, beaucoup de déception, de deuil. Effectivement. Mm-hmm. Tu vas traverser un grand deuil. Oui. Oh, c'est une perte importante. Vous parlez de... Perdre son émission. Non, moi, je parle de Maï Paiement, Doc Mayou. C'était le Doc Mayou! Oh, boy! Autre personnage! Voici maintenant le légendaire Claude Poirier. Je voulais-tu le garocher? C'était pas à ton goût. Ça revient. Ça revient toi-même. Pas mal. Ouais. Je suis la dame en noir, donc t'es habillée en noir. Oui, c'est ça, mais Mme Charrette. Oui, oui, oui. Comment vas-tu, mon Claude? Ça va très bien, mon cher. Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça dommage que ça se termine. Ben, c'est join the club. Ah, ouais, c'est ça. Quel beau milieu. Eh oui, c'est beau milieu. Parle-moi donc des motards. Qu'est-ce qui arrive, là? Ben, je pense que si on regarde l'année, tu vas me demander qu'est-ce qui a retenu l'attention pendant que tu étais en onde. C'était l'attention. Alors, il y a l'affaire des motards, il y a l'affaire Robin Gillet, Opération Scorpion, oui. Et surtout l'affaire Guy Cloutier, oui. Qui va faire la manchette au cours des prochains mois. Et tu auras une série qui va pas te mettre en vedette, mais une série basée sur ta vie, ta carrière. Non, non, en fait. Pas non? Sur ma vie. C'est une télésérie qui va être faite par Sovimage, oui. Qui va être diffusée en février 2005. Sur des événements que j'ai vécu au niveau judiciaire et policier, mais surtout au niveau des négociations de prise d'otage. Je donne un exemple, l'affaire Blas, l'affaire Marion, Messrine et tout ça. Mais ce n'est pas une télésérie sur Claude Poirier, c'est une télésérie sur des événements que j'ai vécu. Donc, personne ne va t'incarner, en fait. J'ai tenté de pouvoir le faire. Ah. Je n'ai pas passé le screen test. Non, mais Pierre Lebeau, je trouve qu'il y a un air de... Trop jeune, trop vieux. Ça prend un bonhomme, à peu près ton style. Pour te jouer, toi? Mais t'es disponible, toi, c'est vrai, dans le fond. Moi, je te jouer, toi? J'ai pas pensé à ça, ben oui. Ben oui, mais je suis beaucoup... Faudrait que tu sois un peu plus baveux, là. T'sais. Oui. Mais je pense que tu... Faudrait... Est-ce que tu fumes? Non, pas du tout. Quand je fais Falardeau, je fume, j'ai ben de la misère, je m'étouffe au bout. Il reste 6 secondes. Dis-moi un petit mot, Claude, il reste 3 secondes. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'inviter pour la dernière et surtout durant la période. Bonne chance. Monsieur Claude Poirier! Bon, j'ai une épaule disloquée à cette heure. Et voici maintenant, pour un peu de sagesse, le Dalaï Lama. Monsieur Lama, bonsoir. Bonsoir, François. Comment allez-vous? Écoutez, je vous croyais de retour au Tibet. Un peu surpris de voir que vous êtes encore au Canada, Dalaï. Pas du tout, François. Mmh. Quand ils m'ont dit que c'était ta dernière émission, oui. Ben, j'ai insisté pour être auprès de toi. Ah, j'imagine pour amener un peu de sagesse dans cette situation trouble. Pas ça. Pas en tout. Tu étais complètement gouré. Je me suis dit que ça fait un an que tu vis comme un moine à cause de ton émission. Oui. Fait que là, à soir, ça va avoir un petit party, ben, petite femme, et pitoune. Hein? Dalaï, vous me surprenez un peu par vos propos. Je m'occupe de tout, François. Comme le dit si bien le proverbe tibétain, quand le yéti est dans sa grotte, prends le journal puis colle des escortes.
le Dalaï Lama, mesdames, messieurs! Et voici maintenant l'actrice Sonia Vachon! Comment allô, François Morancy? Sonia Vachon! Ça va bien? Hey, as-tu vu que j'avais une feuille dans les mains? T'as une feuille dans les mains? À défaut d'avoir des cartons bleus, c'est moi, j'ai une feuille. Parce que c'est moi qui te parle ce soir. Ça, c'est la portion que je sais pas, la alors, mon cher là. François, toi, bon, tout au long de ça. L'année, là, t'as stressé certains de tes invités avec un certain concept qui s'appelait « Vérifions la rumeur ». Oui, c'est ça. Ah, alors, on m'a mandaté, moi, pour te le faire à ton tour, parce que ton équipe s'est dit qu'à moi, tu pourrais rien refuser. Ben non, parce que tu es Sonia Vachon! Alors... Allons-y, mon cher François, vérifions la rumeur. OK, vas-y, je vais jouer. On sait que tu es un gars en forme, hein, qui fait très attention à ce que tu manges. Du temps, oui. Oui, apparemment que, à l'occasion, il t'arrive de manger de façon compulsive, là. Puis quand ça t'arrive, tu mets ton pyjama des Nordiques, tu regardes des cassettes de bataille de hockey, et tu peux manger une pizza médium, 24 ailes de poulet, un pot de crème glacée à Gandaz au gâteau au fromage. Au complet, tout seul et facilement, et j'en suis très fier. Ouais. Je suis un cochon et je l'assume. Les Nordiques! Les Nordiques sont pas morts, on était est-ce que c'est des batailles de Nordiques que tu regardes, entre autres? Parfois, par nostalgie, quelques bagarres de Gord Donnelly, de John Cardiff. Okay. Oui, c'est bon, ça. Alors, on vérifie une autre rumeur. Méchant winner, voilà. Vas-y. Ton ex a déjà posé sur la couverture du magazine sexy Summum. Mon ex a déjà posé sur la revue Summum. Summum. Et cette fille-là t'aurait laissé pour un joueur des Kings de Los Angeles. T'es obligé de dire la vérité. Non, je veux dire, elle sortait avec un joueur de hockey avant moi, honnêtement. Je sais pas, elle était peut-être avec un joueur des Blackhawks de Chicago, mais honnêtement, elle était avec... C'était les Sharks de San Jose. Okay. C'était même pas les Kings. Fait que là, entre les deux, elle est tombée sur un gars de ligue de garage. Bon, j'avais un bon coup de patin quand même. C'était le lancer frappé. Oui. Bon, OK, on passe à la prochaine rumeur. Oui. Hey, t'as déjà été un animateur de foule, toi. Oui. À la guerre des clans, où tu devais, entre autres, annoncer à l'équipe gagnante qui avait gagné une caisse d'eau de Javel. Oui. La guerre des clans avec Luc Sonnet, à l'époque, j'étais animateur de foule, et donc je faisais applaudir les gens comme Luc Cochon le fait ici régulièrement, et très bien d'ailleurs. Et le prix que les gens... C'était un nouveau quiz, on débutait, c'était à TQS, pas d'argent. Et on débutait à peine, et le prix, c'était une caisse d'eau de Javel Lavaux. Alors, t'avais des petites madames là, de 65 ans qui gagnaient de l'eau de Javel une caisse, puis elles étaient là, « Je suis pas capable de te rapprocher, puis il fallait que je mène la caisse d'eau de Javel dans leur voiture. » Ils étaient pas capables. Bon. J'étais déménageur, animateur de foule et annonceur maison. Puis, mais ça a duré longtemps, ça? J'ai fait ça 6 mois. 6 mois? Ah, bon, c'est pas pire. On vérifie une autre rumeur. Parlant de salade de thon, là... Bon, ah ouais. Tu mets de la compote de pomme dans ta salade de thon. Ouais, c'est très bon. Tu seras Sonia Vachon. Un petit Sonia Vachon! Et voici maintenant... Allons en musique avec monsieur Gilles Girard des Classelles. Partir, ce n'est pas un jeu. Même si tu es fort, avant de nous dire adieu, consulte ton cœur. On attend des rires dans nos yeux, l'espoir de te revoir. Hey,
bien voilà, il nous reste deux petits trucs pour vous ce soir. Un petit mot que je vous ferai tout à l'heure, après la pièce musicale que voici. Voici mon chanteur préféré qui sera en spectacle le 8 mai prochain au Patriote pour aider le Musée d'art contemporain de Saint-Jérôme avec un medley spécial des pièces chantées, artistes et comme un million de gens. Voici M. Claude Dubois. Entre amour et révolte, l'heure du jour chante. Témoin ou sans parole, pour taire, pour plaire. Oublier sa misère pour la musique, chanter des tralala comiques. Fou et joyeux. Jusqu'aux limites du triste, même à genoux, chanter, que l'on reste debout. Que le temps presse, chanter. L'espèce qui meurt, que l'on meurt quand on est chanté, et n'être qu'au bord de la vie, qu'on ne chantera plus. Que l'on se désenchante. Chanter pour faire passer. Chanter des idées moins toxiques. Chanter pour chanter. C'est toujours magique, magnétique, magnifique. Enchanté de chanter pour vous. Dracula, qui a cette vie-là. Y'a pas que les musiciens qui veuillent. Y'a
deux, trois écrivains dans un coin, un comédien. On ne voit plus très bien les étoiles du vaisseau au-dessus du temps. On n'imagine plus la terre que comme un petit grain de sable dans l'univers. Beaucoup moins exploité et beaucoup plus communiqué, se distinguer, se raisonner, s'émanciper, se libérer, s'administrer, se décaver, s'équilibrer, s'évaporer, s'évoluer, se posséder. Toi comme moi bébé, comme toi comme moi bébé, comme toi comme moi, comme lui comme l'autre, comme toi bébé. Nous voilà rendus au moment où ça ne tentait pas d'arriver. Je vais vous dire honnêtement, Merci Bonsoir a été un projet extraordinaire au niveau professionnel, personnel, du moment où on m'a approché, la conception du show, l'équipe, le faire à tous les soirs. Ça a été un rêve. Travailler ici, c'est le fun. Jusqu'au moment où quelqu'un a décidé de tirer la plug pour une raison encore nébuleuse. On m'en parle, on me demande pourquoi, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai livré des résultats qu'on attendait et même plus. Le reste, ce n'est pas dans mes mains. Est-ce que c'est une décision juste ou injuste? C'est à vous de juger. J'ai des remerciements à faire à vous, cher public, fidèles, nombreux, exigeants, mais généreux. Il y avait, à ce que je sache, 4 pétitions qui roulaient partout au Québec pour sauver Merci Bonsoir. Ce qui m'a rendu mal à l'aise parce que je savais que ça ne changerait absolument rien, la décision était prise dans le ciment. Ça n'a peut-être pas sauvé le show, mais ça m'a sauvé une couple de nuits d'insomnie. Et bien, je ne vous dirai jamais un assez gros merci. Un merci aussi aux artistes qui sont passés ici à l'émission. Et vous savez, des fois, parce qu'on vit au Québec, peut-être parce que c'est petit, on prend des choses pour acquis. On dirait qu'on ne se rend pas compte parce qu'on voit souvent les mêmes visages. Mais pour les avoir eus d'en face tous les soirs, me vous dire, il y a du talent ici de façon exceptionnelle. C'est unique dans le monde, autant de talent qu'ici. Merci aux artistes qui sont venus, ceux qui ne sont pas venus. Je suis fier d'être dans votre gang. Merci d'être dans votre gang. Et un merci le plus important à l'équipe. 75 personnes travaillent pour vous amener ce show-là à tous les soirs. Il n'y en a pas une de trop. Toutes des personnes compétentes, intelligentes, fines, dévouées. Je vous ai senti derrière moi dès le départ. Il y avait du monde dans la gang encore plus fâché que moi quand on s'est fait tirer à plug, et c'est pas peu dire. Alors, je vous aime au bout. Je sais, des fois, je suis dans ma bulle. Des fois, je suis dans ma voûte. Mais je vous aime au bout, au bout, au bout. Je fais quoi maintenant, moi? Je vais faire des shows cet été, un peu partout. Et je vais prendre un break pour faire un retour, probablement sur scène. Le temps reste à déterminer. Je n'ai pas choisi de vous quitter, mais je choisis de vous revenir. Ça a pris un an de préparation et 12 heures par jour pour faire un 45 minutes par soir. Et il n'y a pas une seconde que je regrette. Merci. Bonsoir.
Non, moi, tu veux le look de Mongol. Chance que c'est fini parce que j'aurais pas taffé une autre année. OK? Oh, mais... oh là, mais la poche de côté.